venez de vous voir décerner le trophée d'or du support de communication. Bravo d'abord. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle initiative ? Alors, c'est une initiative globale qui dure depuis trois ans, puisque nous avons commencé à travailler avec une agence de communication sur le logo. Et puis nous avons décliné toute cette modification de la charte de communication du cabinet à travers une charte graphique qui s'est déclinée sur tous les supports habituels, papier en tête, carte de visite et autres. Et puis nous avons aussi travaillé sur le site internet. Et cette année, nous avons eu l'occasion de racheter des locaux que nous avons aménagés et où nous avons décliné toute la charte graphique et les couleurs, qui est essentiellement le bleu, pour diffuser une dimension de cocooning à l'intention de nos clients, puisque nous essayons de les accueillir dans de bonnes conditions et dans des locaux qui sont beaux, mais sans être ostentatoires. Alors cette dimension de cocooning, justement, elle se matérialise notamment par quoi ? Alors elle se matérialise par déjà des locaux spacieux, ouais. Des bureaux confortables, des fauteuils confortables, mais aussi des messages de communication qui invitent à la sérénité nos clients, car quand on les invite à prendre connaissance de leurs résultats, tant quand ils sont positifs que quand ils sont négatifs, eh bien, il faut réussir à canaliser toute cette angoisse. On vient chez vous comme chez le dentiste. Voilà, zen. Exactement. Il y a une certaine angoisse et il faut canaliser ses craintes et puis d'essayer de faire baisser la pression par le bas plutôt que de faire baisser la pression par le haut en faisant en sorte que les gens évitent de stresser encore plus par rapport à toutes leurs obligations légales que nous assumons au mieux, que nous essayons d'assumer au mieux pour leur compte. Et vos clients ont bien réagi Alors très étonnamment, oui. Très étonnamment, ils ont été honorés quelque part d'être accueillis dans des beaux locaux. Ouais. Et nous avons aussi investi dans de la haute technologie à travers un grand écran interactif qui a permis de faire des présentations de comptes beaucoup plus dynamiques. Nous ne présentons plus depuis 10 ans déjà des bilans sous forme papier, mais que sous forme dématérialisée. Là, on passe à une dimension différente et on avance où nous allons avoir une occasion de présenter presque jusqu'aux pièces, et même on le fait d'ailleurs, on voit les pièces qui apparaissent à l'écran et sur grand écran, et c'est très impressionnant et très, très pédagogique par rapport aux clients. Et aussi très agréable, j'imagine, pour vos équipes en interne. Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir toutes les équipes qui s'est mobilisée pour faire en sorte de prendre la mesure de ces outils et de se les approprier. Ouais. Et donc là, on a eu aussi une communication interne qui a été très positive à leur intention. Voilà. Bravo, mille bravo pour ce trophée. Merci beaucoup.